Si c'est dans la joie, crie Jésus, 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 nous, la lumière, la voix de l'Éternel. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit
Jésus. Il n'y a vraiment personne pour lui. J'ai longtemps cherché, personne. Je vais tourner en rond, personne. Je fouillé. Il n'y a vraiment personne comme lui. J'ai longtemps marché. Personne. J'ai tourné en rond, personne. J'ai fouillé. Il n'y a vraiment personne comme lui. J'ai longtemps marché. Je marchais. Personne. J'ai tourné en rond, personne. J'ai fouillé. Il n'y a vraiment personne comme lui. J'ai longtemps marché. Je marchais. Personne. J'ai tourné en rond, personne. J'ai fouillé. Il n'y a vraiment personne comme lui. Jésus m'a donné une nouveauté de vie. Vous connaissez une nouveauté de vie. Alléluia. Alléluia. Jésus m'a donné une nouveauté de vie. Alléluia. Nouveauté de vie. Alléluia. Nouveauté de vie. Alléluia. Jésus m'a donné une nouveauté de vie. Alléluia. Nouveauté de vie. Alléluia. Nouveauté de vie. Alléluia. Jésus m'a donné une nouveauté de vie. Alléluia. Nouveauté de vie. Alléluia. Nouveauté de vie. Alléluia. Jésus m'a donné nouveauté de vie. Alléluia. Nouveauté de vie. Alléluia. Nouveauté de vie. Alléluia. Jésus m'a donné nouveauté de vie. Alléluia. Nouveauté de vie. Alléluia. Nouveauté de vie. Alléluia. Jésus m'a donné nouveauté de vie. Alléluia. Nouveauté de vie. Alléluia. Nouveauté de vie. Alléluia. Jésus m'a donné nouveauté de vie. Alléluia. Nouveauté de vie. Alléluia. Nouveauté de vie. Alléluia. Jésus m'a donné nouveauté de vie. Alléluia. Nouveauté de vie. Alléluia. Nouveauté de vie. Alléluia. Jésus m'a donné nouveauté de vie. Alléluia. Nouveauté de vie. Alléluia. Nouveauté de vie. Alléluia. Jésus m'a transformé. Alléluia. Il m'a restauré. Alléluia. Il m'a délivré. Alléluia. Jésus m'a donné nouveauté de vie. Alléluia. Nouveauté de vie. Alléluia. Nouveauté de vie. Alléluia. Jésus m'a donné nouveauté de vie. Alléluia. Nouveauté de vie. Alléluia. Nouveauté de vie. Alléluia. Si tu me vois danser. Envoyez.
Alléluia, 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 alléluia,
Alléluia, Alléluia, Alléluia. Nous avons Jésus, nous avons Emmanuel, nous avons sa puissance, nous avons son royaume. Oh, nous avons Jésus, nous avons Emmanuel, nous avons sa puissance, nous avons son royaume. Oh, Saint, allez, Alléluia, allez, Alléluia, allez, Alléluia, allez, Alléluia, Saint, allez, Alléluia, Saint, allez, Alléluia, allez, Alléluia, allez. Alléluia, 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 alléluia. Alléluia, 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 Jésus, Emmanuel, sa puissance, son royaume, Jésus, Emmanuel, sa puissance, son royaume. Alléluia, 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 Alléluia. Regardez la sœur, elle nous sent devant la face. Regardez la sœur, elle nous sent devant la face. Regardez la sœur, elle nous sent devant la face. Oh et la face, oh et la face. Elle a débordé. Si tu me vois sauter,
le cœur débordé. Oh, si tu me vois sauter, sauter. C'est parce que la joie de Dieu a débordé. Oh, si tu me vois courir, courir. C'est parce que la joie de Dieu a débordé. Elle 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 a débordé. Allons-y, allons-y. Victoire, c'est dangereux. Le moment que nous sommes ici, et surtout nous avons eu la victoire. Si l'ennemi, il y a d'autres qui ont voulu venir, mais l'ennemi les a empêchés. Mais toi, le Seigneur t'a fait la grâce.
tu es arrivé en ce lieu, tu as eu la victoire. Parce que où se trouve sa terre sainte là, il y a la victoire. Viens, mais crie de victoire. Jésus, Jésus, Jésus. Crie de victoire. Jésus, Jésus, Jésus. Donc comme tu as la victoire, tu vas élever la voix. Amen. Bénis le nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Parce qu'il t'a donné l'autorité. Il t'a donné la victoire sur tout. Donc tout ce que tu as fait là, c'est d'élever la voix. Je lui dis merci pour tout ce qu'il a fait dans ta vie. Que ça soit bien comme mal. Accepte tout. Parce que tout ce que le Seigneur fait, c'est pour son bien. Mon bien-aimé, lève la voix. Tout à l'heure, tu as crié que tu avais autorité. Tu as crié que tu avais autorité. Donc, élève la voix pour dire au Seigneur que tu as reconnaissant. Pour le souffle de vie qui t'a déjà accordé là, c'est une grâce. Le fait que tu aies la force, le fait que je sois à la maison pour arriver ici, c'est une bénédiction du Seigneur. Parce que les noms pleins qui sont touchés dans les hôpitaux, les noms pleins qui sont touchés dans la maison, on est venu louer le Seigneur avec toi. Il y en a qui sont dans le monde entier, dans les pays, qui veulent élever la voix comme toi pour adorer le Seigneur Jésus. Mais la loi de ces pays les empêche d'élever la voix. Le Seigneur t'a fait la grâce de vivre dans un pays où tu peux élever la voix. Pour lui dire merci. Élève la voix et dis-lui merci. Élève la voix et dis-lui merci. Il t'a accordé simplement là. Dis-lui merci. Merci au nom de Jésus. Merci Seigneur. Gloire à Jésus. Bien-aimés, nous avons dit merci à Jésus. Nous allons continuer de lui dire merci pour ce beau pays qu'il nous a accordé. Ce pays-là que nous sommes dedans. Nous partons partout, nous passons où nous voulons. Nous nous annonçons la parole de Jésus-Christ de Nazareth. C'est pas évident. Nous allons lui dire là, merci beaucoup pour la paix qu'il instaure chaque jour dans notre pays. Bien-aimés, vous ne savez pas ce qui se passe dans le monde spirituel. Le monde veut désamorcer notre pays, veut renverser notre pays, afin que toi et moi, on n'ait plus le pouvoir d'aller s'arrêter au carrefour pour annoncer Christ. Bien-aimé, lève la voix et dis merci vraiment notre Seigneur Jésus-Christ pour la paix qu'il accorde dans notre pays. Merci parce qu'on attend partout, par là, ici, par là. Mais papa, tu as prévenu la Côte d'Ivoire. Tu as prévenu la Côte d'Ivoire. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Honneur à toi, la magnificence. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que c'est bon. Papa, nous te disons merci. Au nom de Jésus. Lorsque tu es en train de rêver, quelqu'un est en train de t'étrangler dans le rêve là. Si tu t'es forcé pour ta prononcer Jésus petit seulement là, c'est loin de toi. Quand on te donne l'occasion, c'est pas ton compte, on te dit rien. On dit, dis seulement au nom de Jésus. Tu dis ça doucement. Oh, c'est notre cri de guerre qui est là. Bien aimé, dis au nom de Jésus. Donc tu n'as pas la foi. Bien aimé, on va continuer à dire merci au nom de Jésus. Nos frères, ils se sont sacrifiés pour nous. Ils se sont levés. Ils disent, ils restent pas à la maison. Ils vont aller partout pour proclamer le nom de Jésus. Bien-aimés, ils ont besoin de force. Ils ont besoin de prière. Ils ont besoin de tout ce qu'ils font. Pour tout ce que nous allons dire. Remercier le Seigneur Jésus pour leur vie. Pour la force qu'il leur donne chaque jour. Pour l'inspiration. Pour la manière qu'ils les utilisent chaque jour. Nous allons bénir le nom de notre Seigneur Jésus pour cela.
La vie de tous tes serviteurs, que qu'ils annoncent l'évangile, que nous soyons tous à la joie. La même manière que nous sommes merci, nous bénissons ton nom, les frères et sœurs, dans les prisons de l'Église. Nous sommes bénis. Nous sommes de Jésus. Nous sommes de nos enfants, Seigneur. Nous serons bénis et gagnés au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Seigneur. Jésus, là, vous avez peur. Vous avez honte de Jésus. Oh, papa Jésus dit, si tu as honte de lui, là, lui aussi il aura honte de toi. Amen. Et ce qui sera mauvais même, là, c'est devant le trône. Toi-même, tu vois la porte. Et puis, dis-moi, j'ai honte de toi. Ma soeur, mon frère. Moi, je préfère que tu aies la petite honte sur la tête ici. Faut dire nom de Jésus là, et puis vote injure. Faut dire nom de Jésus là, et puis vote injure. C'est mieux qu'avoir la honte là-bas. Bien aimé. Au nom de Jésus. Amen. Avec une dame, la belle, elle, chaque soir, elle se lève, elle va au lui. Et puis de l'eau, elle envoie sa famille. Un jour, elle est tombée sur le Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus lui demande de l'eau. Il dit, mais toi, tu es propre, tu es pur, tu es saint. Et puis moi, je suis sale là. C'est à moi que tu demandes de l'eau. Quand tu me regardes là, il ressemble à un lépreux. Quand tu me regardes, il ressemble à un fou. Quand tu me regardes, il ressemble à une poubelle. Et puis c'est à moi qu'il demande de l'eau. Bien aimé, toi, imagine un peu. Et au fou, tu dois te donner de l'eau à boire. Est-ce que toi, tu vas accepter l'eau? Mais le Seigneur Jésus, par son amour, dit, oui, je sais que tu es fou. Je sais que tu n'es pas propre. Je sais que tu es sale. Mais moi, je veux ton eau. Fais un geste seulement. Et tu verras quelque chose. Il a comment fait le geste. Si tu savais la miséricorde, la grâce, le don de Dieu, tu n'allais pas te justifier contre cela. Aujourd'hui, le Seigneur nous tend encore la main. Il dit, viens boire encore. Bien-aimé, tu vas penser à tout ce que le Seigneur a fait pour toi. Depuis que tu es venu, le Seigneur t'a tendu la main. Tu ne pensais même pas qu'il y avait Jésus qui existait réellement. Que Jésus aussi pouvait t'utiliser. Que Jésus aussi pouvait porter sur toi un jour. Mais tu as fait la grâce. Il n'aime pas la pureté. L'impureté que tu étais dedans. Il t'a ramené dans sa maison. Il t'a montré les voies et moyens pour fuir tout ce qui est impur. Et bien aimé, nous sommes dans la chair. Et nous continuons à faire des choses qui ne glorifient pas encore son nom. Comme la femme l'a si bien dit, Seigneur, je ne suis pas propre. Entre vous et moi, il n'y a pas d'accord. Le Seigneur dit qu'il y a un accord entre lui et nous. Et son accord là, c'est notre avocat, le Seigneur Jésus. Et toi, aujourd'hui, encore, tu as la possibilité de te rendre pur. Tu as la possibilité de te sanctifier encore. Mais il te demande une seule chose, de reconnaître que la femme samaritaine a dit à Seigneur Jésus qu'entre toi et moi, Jésus, il n'y a rien. Il ne peut pas avoir d'accord avec nous parce que moi, je ne suis pas propre. Je ne suis pas digne. Je ne suis pas digne de m'approcher de toi. Souviens-toi, il y a un encore qui venait faire son offrande. Et puis il s'est arrêté de loin. Il avait dit, Seigneur, je ne suis même pas digne d'être auprès de ton panier même. Je ne mérite même pas d'être dans ton assemblée. Et il a dit, tu ne connais pas le don de Dieu. Le don de Dieu, c'est de te donner la chance, la grâce à chaque instant de te repentir. Le salut qu'il t'a accordé, c'est de te donner la grâce à tout moment de te repentir, bien-aimé.
ne fais pas comme les autres. Ne fais pas comme Bartimée. Le Seigneur te donne, t'as fait la grâce d'avoir les yeux, tu vois. Bartimée ne voyait pas. Bartimée ne savait même pas où se trouvait Jésus. Il y avait la foule là. Mais Bartimée disait une chose. Qu'est-ce qui se passe? Je dis, mon frère, quand tu es dans les ténèbres, tais-toi. Je dis, je veux savoir qu'est-ce qui se passe. Je dis, le roi de gloire est là. Le roi de gloire est là. Le Messie pour me purifier est là. Bartimée a élevé la voix. Il a crié, Seigneur Jésus, fils de David, souviens-toi de moi, bien-aimé. Sa repentance doit être même chose comme la repentance. Arrête de murmurer. Les murmures, le Seigneur n'aime pas les murmures. Si tu es dans un pays, où on t'empêchait d'annoncer la parole de Jésus, où on t'empêchait de te repentir, bien-aimé, tu pouvais murmurer. Mais ici, le Seigneur a fait la grâce. Que tu peux crier à plein bon Dieu, afin de t'attendre. Bien-aimé, ne regarde pas ta soeur. Moi-même, je suis devant vous, je suis un pécheur. Les mauvaises pensées m'animent à chaque instant. La jalousie m'anime à chaque instant, bien-aimé. L'orgueil m'anime à chaque instant. C'est ce qui fait qu'on ne voit pas l'amour de Dieu pour nous. C'est ce qui fait qu'on ne voit pas la main tendue du Christ envers nous. C'est ce qui fait que le Seigneur nous demande toujours de l'eau. Et puis on ne sait pas quoi lui donner. Parce qu'à chaque fois qu'on vient dans sa présence, le Seigneur nous donne de l'eau. Une eau vive. Une eau qui ne se tarit point. Cette eau-là, nous la donne. Mais pas l'orgueil. Pas les murmures. Pas des mauvaises pensées, frère. Le Seigneur dit, on reconnaît un arbre à son fruit. Bien-aimé, le Seigneur t'a donné tout sort de fruits. Il t'a donné les dons. Le fruit de l'esprit, c'est. Mais bien-aimé, ça fait un bon moment. Tu vois que cela n'est pas visible. Le Seigneur t'a donné la paix. Mais tu constates qu'autour de toi, il n'y a pas de paix. Bien-aimé, c'est parce qu'il y a encore la semence de l'ennemi. Le Seigneur t'a délivré de l'Égypte. Il t'a envoyé dans le désert. C'est pour que tu laisses tomber cette colère. C'est pour que tu laisses tomber la jalousie. C'est pour que tu ouvres ton cœur. Ton cœur, bien-aimé. C'est pour que tu ouvres ton cœur. Papa, pardonne-moi, Seigneur. Bien-aimé, si tu as fermé ton cœur, c'est inutile. Là. Quel que soit tout ce que tu vas faire dans l'église de Dieu, quel que soit tout ce que tu vas faire pour les serviteurs, les servantes, même tes enfants, ça ne peut pas aboutir. Bien-aimé, ouvre ton cœur. Ouvre ton cœur. Reconnais comme cette femme-là. La Dieu n'est pas digne de Jésus-Christ de Nazareth. Pardonne-moi, Seigneur. Ouvre ton cœur. Pardonne-moi, papa. Bien-aimé, si tu ne sais pas comment le faire. Dis, Seigneur Jésus, apprends-moi à ouvrir ton cœur. Apprends-moi à ouvrir mon cœur. Apprends-moi. Apprends-moi. Parce que le Seigneur est là, il sera chaque soir. Chaque soir, il est là. Il frappe pour te réveiller. Il frappe pour te réveiller. Il te réveille pour prier. Mais la jalousie. Mais la jalousie. La paresse. La paresse. La paresse. Écoutez la voix de Dieu. Bien-aimé, je t'en supplie. Pour ta repentance aujourd'hui, demande au Seigneur de pénétrer dans ton cœur. Demande réellement au Seigneur de pénétrer dans ton cœur. Je t'en supplie. Je t'en supplie. Dans ton cœur. Tout ce que tu as déjà fait, c'est nul. Mon adoration est nul. Ta prière est nul. Parce que le Seigneur ne prend pas plaisir à écouter ta parole. Écoutez la parole de ton chrétien à toi. C'est pas la grâce de Jésus. Il prend plaisir à écouter la parole de ton chrétien à toi, bien-aimé. C'est ton esprit qui t'a fait avec. C'est la voix de ton esprit qui l'écoute. Oui, Père, je suis orgueilleux, Seigneur. J'aurais vu, Seigneur. Laisse ton cœur, laisse ton cœur, laisse ton cœur.
Il fait ton cœur. Ne cherche pas les mots. Réellement, ne cherche pas ce que tu m'as dit. Ne cherche pas idée. Ce que tu m'as dit. Ce que tu m'as dit. Parce que mon frère, dis-le. Mon amour, c'est pas être. Je prends la grâce de Dieu. Dis-moi que tu es. Je t'en supplie, bien aimé. Ce que tu ne sais pas, lorsque nous sommes à la chaudière, c'est grave. Pardon, Seigneur. L'ennemi dit, la paix là, c'est pour nous. L'ennemi, c'est la paix, mon cœur. La prédication. L'ennemi dit, la jalousie, c'est pour nous. Pardonne-moi, les enfants de Jésus. Et que Jésus voit ça, il y a mal. Jésus veut te donner son amour. Mais toi, tu refuses l'amour de Jésus pour accepter la colère. Tu refuses l'amour de Jésus pour accepter la jalousie. Tu refuses l'amour de Jésus pour accepter la méfiance. Je suis carré. Ma famille est carré. Ma maison est carré. Tu refuses l'amour de Jésus pour accepter les choses venant de ta tradition. Je suis carré. Pardonne-moi pour la haine, papa. Si je ne fais pas là, ils vont me laisser. L'amour de Jésus. Et tu t'es accroché à l'amour du monde. Oh oui, bien aimé, je suis là. L'amour de Jésus, tu dois le savoir. Le Seigneur chaque jour. Le Seigneur pleut chaque jour. Oui, j'ai tout fait. Nous abonnons les lèvres. Pardonne-moi pour la duplicité. Et ce qui ne suffisait pas, nous a donné l'autorité à vous. Je ne veux pas de perdre, Seigneur. Je ne veux pas perdre.
élève la voix, élève la voix, élève la voix, élève la voix, avec le voix de toi. Souviens de ton amour, souviens de ton amour, souviens de ton amour, Seigneur, souviens de ta vie. Il est juste et fidèle de te pardonner. Tiens-le-moi, Jésus. Tiens-le-moi, papa. Tiens-le-moi, Seigneur. Mais lui, vertu. Est-ce que cela vient de ton cœur? Seigneur. Parce que l'église est dans le à qui il reste, Seigneur Jésus? Que le Seigneur ait miséricorde de toi. Tu es la voix ce soir. Le Seigneur est là. Seigneur. Est-ce que tu vas délaisser? Je le connais, Seigneur. Réclame le sang de Jésus. 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 Demande au sang de l'agneau de te laver. Lave-toi par le sang de l'agneau. Demande au sang de l'agneau de laver ta robe. Lave ta robe par le sang de Jésus. Il t'a passé par le sang de Jésus. Demande au sang de Jésus-Christ. Demande au Seigneur de passer au sang. De laver ta robe. Ils sont pleins de sang impur. Que le sang de Jésus-Christ vienne ôter l'impureté. Que le sang de Jésus vienne ôter tout ce qui n'est pas de lui. Tout ce qui ne vient pas de lui. Dis au Seigneur que tu vas être pur. Dis au Seigneur que tu vas être sans tache. Dis au Seigneur que tu vas être irrité et irrépréhensible. Dis au Seigneur que tu vas être devant de lui. Lorsque tu seras en train de le louer. Lorsque tu seras en train de l'adorer. Que réellement, le Seigneur te rende pur. Le Seigneur te rende sans tache. Le Seigneur te rende sans iniquité. Ce que tu as dit. Mais pas de nos péchés, mais pas de nos transgressions, mais pas de nos iniquités, mais pas de notre colère, Seigneur. Mais l'amour de la colère, l'amour de l'orgueil. La parole de Dieu déclare. Ne fais pas comme les pharisiens. Non, ils sont purs. Ils sont bien habillés, ils sont simples. Ne fais pas comme eux. Toujours c'est toi qui es bien habillé. Tu as porté des tenues, des sanctifications. Quand les hommes te voient, lui, il est pur. Mais à l'intérieur,
c'est comme des tombeaux. Demain, réclame le sang de Jésus. Parce que le sang de Jésus, Jésus dit, si l'intérieur est pur, si ton cœur est pur, la voix de Dieu, tu verras sa gloire. Réclame son sang pour nettoyer ton intérieur. Réclame son sang pour nettoyer ton cœur. Parce que c'est ton cœur. C'est là que viennent les mauvaises pensées. C'est ton cœur, de ton cœur, Dieu. Réclame le sang de Jésus. Réclame le sang de Jésus. Réclame le sang de Jésus. Réclame ton sang pour purifier ton cœur. Pour purifier ton cœur. Parce que le Seigneur veut déposer son amour dans ton cœur. Il dit l'amour. Il ne pense pas à son intérêt. L'amour de son prochain. Si tu as l'amour pour ton prochain, alors tu as compris tout sur l'amour. Réclame le sang de Jésus. Je ne vais pas commencer à boire le sang de Jésus. Parce que le Seigneur déclare dans sa parole, celui qui boit mon sang aura la vie éternelle. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang aura la vie éternelle. Celui qui boit le sang de Jésus. De la même manière, tu as soif de Jésus. Lorsque tu travailles et puis tu as soif, tu as envie de boire un verre d'eau. Vois le sang de Jésus de la même manière. Parce que par ses maîtres, nous sommes guéris. C'est le sang de Jésus, Christ de Nazareth, qui peut purifier ton cœur, qui peut purifier tes entrailles. Vois-le avec foi. Vois-le avec foi. Vois son sang. 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 Pendant que tu vois le sang de Jésus. C'est moi le Seigneur de se souvenir de cela. Vois le sang de Jésus. J'ai ne joue pas avec le sang de Jésus. Ne joue pas avec le sang de Jésus. Vois le sang de Jésus. Vois le sang de Jésus. Vois le sang de Jésus. Tu as versé. Vois le sang de Jésus. Vois le sang de Jésus. C'est le seul sang. Les racines de la mort. Les racines de l'enfouissement. Les racines de la maladie. Les racines de la maladie. Même lorsque tu es en train de venir ici, vois le sang de Jésus. Que ces flèches-là soient retirées. Commence à voir le sang de la gloire. Vois le sang de Jésus. Vois le sang de Jésus. Commence à être ôté. Commence à être arraché. Commence à boire le sang de Jésus-Christ. Commence à boire le sang. Mets une foi dans ce mouvement prophétique que tu es en train de faire. Pendant que tu bois le sang de l'agneau, le sang de l'agneau, toi-même, que tout ce qui n'est pas de lui, Seigneur, au nom de Jésus, puisse être retiré de ton cœur. Être retiré de ton corps et de ta pensée. Être retiré de toi. Bois le sang de Jésus. 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 Réclame cela. Bois le sang de Jésus. Lui, tu veux faire son œuvre. Bois le sang de Jésus. Mais toujours la question qui te retient. Bois le sang de Jésus. 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 Bois cela. Bois son sang. Bois ce sang de grâce. Afin que cela quitte. Bois ce sang. Que cela quitte de toi. Bois ce sang. Bien aimé, tu vas te tenir debout. Bien aimé, soyons tous fortifiés. Sois patient. Le désert, il y a le soleil. Il y a le froid. Il y a la fête. Il y a toutes ces choses. Mais soyons tous fortifiés dans le nom de Jésus. Bien aimé. Le Seigneur nous demande ces choses. Il dit, si notre foi est petite, comme un grain de sable, on verra, fera plus grand, de grandes choses. Le Seigneur a écouté ta prière. Tu as invoqué son sang. Et la sœur. Donc, bien aimé, nous allons passer le même moment en adoration. Nous allons adorer notre Seigneur Jésus. C'est dans l'adoration que le Seigneur tire beaucoup de plaisir. Et l'amour que tu recherches du Seigneur depuis trop longtemps, pour pouvoir son œuvre, pour pouvoir aimer ton frère, ta soeur comme toi-même, pour pouvoir aimer sans soupçon, pour pouvoir aimer sans distinction, c'est dans l'adoration. Si tu te disposes réellement et que tu adores le Seigneur de tout ton cœur, de toute ta pensée, dit les vrais adorateurs m'adoreront en esprit et en vérité. Donc si tu prends ces deux choses et tu les combines, esprit et vérité, tu verras le Seigneur, tu découvriras son amour, tu verras une joie particulière,
il y aura une paix particulière. Toi qui as besoin de paix, le Seigneur va déposer sa paix. Toi qui as besoin de la joie, il va déposer sa joie. Être consolé, va te consoler à ce moment. C'est vrai. Bien-aimé, tu vas lever les mains. Tu vas chanter ceci avec moi. Que tu veuilles nous, et que rien ne t'est impossible. Je reconnais. Seigneur, fais-moi.
toi. Rien que toi. Jésus. Rien que toi. Est-ce que tu peux commencer à bénir le Seigneur Jésus? Est-ce que tu peux adorer le Seigneur? Est-ce que tu peux commencer à glorifier le nom de l'Alpha? Est-ce que tu peux commencer un fort le nom de Dieu, le nom de Dieu encore glorieux, 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 le roi de gloire, Dieu magnifie le ciel de gloire, magnifie le ciel de gloire, magnifie ce nom de magnifie ce nom de magnifie ce nom encore glorieux, magnifie ce nom unique. Adore le Dieu du Saint. 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 Adore le Dieu du Saint.
Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur Jésus? Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Bien-aimé, tu peux t'asseoir. Alléluia. Amen. Est-ce que ça peut aller? Est-ce que ça peut aller? Amen. 5 minutes d'adoration. Je te demande de te déchaîner. De parler à Dieu. Tu es là, tu m'humilies. Alléluia. Amen. 5 minutes d'adoration. Juste 5 minutes d'adoration. Ou pendant ces 5 minutes-là. Ah, moi, il a pris pour moi. Hein. Alléluia. Amen. Ou pendant ces 5 minutes-là, la grâce de Dieu était là, était libérée. Mais puisque tu murmurais, le Seigneur Jésus-Christ est passé juste à côté. En fait, ce que les gens ne savent pas, c'est que c'est pendant ces petits moments, souvent on dit que, ah, mais on dit, à chaque fois même, Dieu dépose même des grâces en nos vies, mais on ne voit rien. Le fait est que lorsque Dieu dépose quelque chose, ou encore Dieu dépose une grâce dans ta vie, ça brise certains liens qui se trouvent dans ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Parce que souvent, les gens ne savent pas c'est quoi souvent les cadeaux que souvent les gens ont des visions. Ah, ils sont venus, ils ont déposé un cadeau sur la tête de plusieurs. En réalité, cette grâce qui sont déposées, même souvent, mais ça se fait à l'entrée. Pour ceux-là qui viennent juste hein, avant, qui viennent en chose, qui ne viennent pas en retard. Pendant que tu viens automatiquement, il y a une grâce que Dieu dépose sur toi. Et ces grâces-là ont pour but de briser certains liens qui se trouvent dans la vie des chrétiens. Arrive un moment, tu vas voir que tu es refroidi, ça brise ce lien-là. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Et tu es là quand on te dit d'adorer Dieu. C'est pourquoi plusieurs personnes, lorsqu'ils ont fini d'adorer réellement le Seigneur, ils sont retournés. Ah, mais il y a une personne qui m'a vu des prières révolues, mais sans maintenant. Amen. Tu prends la Bible même, ça va. Alléluia. Amen. Et tu murmures quand tu adores Dieu. Alléluia. Amen. Nous allons manger. D'après un homme de Dieu, qui a faim? Alléluia. Amen. Qui a faim? Soif ici. Qui a faim? Soif. Tout le monde. Alléluia. Amen. Ah bon, d'accord, quand vous avez fait, on va manger. J'espère qu'après ça vous serez rassasié. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Nous voulons donner un enseignement qui est très important. Cet enseignement-là, je l'ai donné à la suite d'une question. J'ai voulu le donner à la suite d'une question. Et réellement, il y a cette petite question-là que les enfants de Dieu se posent. La Bible nous dit qu'un jour Jésus est en train de parler à ses disciples. Et puis il dit il y a 12 heures au jour. Et puis un jour quelqu'un m'a trouvé en PV pour dire que non, en réalité, c'est la raison pour laquelle on doit pas, un chrétien doit manger seulement le matin, il ne doit pas manger le soir. Parce qu'il y a 12 heures au jour. Papa Yahoo. Ça, on doit expliquer. Il y a 12 heures au jour, ça veut dire quoi? Ils ne savent même pas que Jésus a parlé en parabole. Qui est le jour? Qui représente les 12 heures? Pourquoi c'est 12 heures? Pourquoi ce n'est pas 12 minutes? Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Et ces petites questions-là, souvent, certaines personnes se posent ça. Ils sont souvent très importants. Mais il y a des prophéties qui ont été données, mais on a l'impression que du vivant de la personne, cela n'est pas arrivé. Gloire à Jésus. Amen. Et il y a plein de choses. Quelle question fatigue, par exemple, quelqu'un?
tu as lu un verset dans la Bible ou encore une prophétie qui n'est pas arrivée ou je ne sais pas, ça fait partie. Qui a lu ça? Un verset. Et lui, ne disait pas votre Bible. Hein? Mais vous avez tout compris. Non. Marie, tu as tout compris. Non, il a oublié ça. Ah. Ah, d'accord. Il y a eu peur. Sinon, il allait poser question. Hein. Hulda, tu as tout compris? Non, mais. Il y a plein de questions qui sont dans la Bible. Plein. Des passages un peu bizarres comme ça. Ah, mais ça, là, ça veut dire quoi au juste? Gloire à Jésus. Et aujourd'hui, nous allons lever une équivoque. Les Écritures ont dit que Caïn sera vengé 7 fois et Lémec 67 fois. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Et c'est ce que nous allons expliquer aujourd'hui. Nous allons commencer. Et restez concentrés. Hein. Non, vous chassez. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Alléluia. Amen. C'est dans le livre de Genèse 4. On va lire ça même. Et envoyez ça sur le groupe. Non, qui a vu ça? Et envoyez sur le groupe pour dire l'enseignement. Ok, c'est quel verset? Oui. Genèse. Genèse 4, 24, lisons. Genèse 4, verset 24, lisons. Genèse chapitre 4. Oui. Au verset 24. Vas-y un peu. Il est écrit. Caïn sera vengé 7 fois. La Bible nous dit que Caïn sera vengé 7 fois. Et les mères 77 fois. Ça veut dire quoi? Alléluia. Amen. Le Seigneur voulait dire quoi par là? Caïn sera vengé 7 fois et les mères 77 fois. C'est quoi? Ça veut dire quoi? Qui a une idée? Qui pense ça? Qui a une idée? Non, vas-y. Personne? Personne. Et puis vous n'avez lu ça. Vous avez déjà lu cette écriture. Hé, qui a dit non? Qui a déjà lu l'écriture? Maintenant, vous avez déjà lu, vous n'avez pas compris. Oh. Et puis vous êtes passé. Alléluia. Amen. Vous avez lu. Vous n'avez rien compris. Hein. Mais vous dites, allons seulement. Vous n'avez pas pour la peine de poser question, mais quoi? Alléluia. Amen. Mais soit vous n'avez même peut-être interrogé le Saint-Esprit, vous dites, Seigneur, il faut m'expliquer à la rigueur, approcher un frère. Ah, les hommes de Dieu aussi méditer. Hein. Mais les fidèles doivent vous approcher. Alléluia. Amen. Ah, on a lu ça, ça veut dire quoi? Gloire à Jésus. Amen. On doit être à mesure d'expliquer. Ça peut aller. Donc nous allons expliquer cette écriture-là. Mais nous n'allons pas expliquer ça sans avoir expliqué ce qui est en haut là-bas. C'est ce que j'aime là. Nous allons expliquer ce qui s'est passé. Parce que pour comprendre ça, on va remonter un peu jusqu'au verset 4. Pour savoir exactement ce qui s'est passé. Alléluia. Amen. Genèse 4, 4. Genèse chapitre 4. Au verset 4. Uh-huh. Et Abel. Hey, ne prenez pas note. On se verra vendredi. Interrogation. Point. Vous connaissez, non? D'accord. Je suis revenu. Hein? Vendredi, interro. Ça, c'est pas interro. Ça, c'est, on vous a prévenu. Vendredi, devoir. Alléluia. Tu bosses. Tous les versets qu'on donne à tu bosses. Tout ce que je dis qui sort de ma bouche là. Faut t'arranger, tu as écrit. Je ne sais pas comment tu as fait. Je vais t'arranger, tu as écrit. Alléluia. Amen. Je n'ai pas venu, il a posé question, puis tu n'as pas posé question, puis tu n'as pas répondu, là, on s'est frappé. Gloire à Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ao. Parce qu'on donne l'enseignement, c'est pour que les brebis du Seigneur grandissent. Mais si tu n'arrives pas à expliquer ce qu'on a expliqué, quelqu'un va venir, je te poser la question, quand tu n'arrives pas à expliquer ça. Eh, hey, c'est bon. C'est pas bon, non? D'accord. Ok, Genèse 4, 4. Genèse chapitre 4, au verset 4. Vas-y un peu. Il est écrit. Oui. Et Abel. Et Abel. De son côté. Oui.
en fit une des premières. Remonte. Au verset. Adam enfanté. Genèse chapitre 4, oui. Au verset 1. Ok, donc au verset 1. Mettez Genèse 4 à partir du verset 1. Adam. Peut-être on va faire juste l'introduction. Peut-être on va même pas arriver. Peut-être il y a mettre un peu le miel dans la bouche. Là, vendredi, là, tout le monde va venir. Alléluia. Amen. Peut-être on va même pas, peut-être on va même pas toucher Caïn. Caïn a été vendu. On va pas toucher ça aujourd'hui, peut-être. Oui. Là, comme ça, vendredi, là, vous allez être nombreux. Oui, alors? Adam connut Ève. Sa femme. Elle conçut. Adam a fait quoi? Connu Ève. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avancer s'il y a quelque chose qui nous interpelle. Adam a connu Ève quoi? Sa femme. Sa copine. Sa femme. Sa concubine. Sa femme. Sa petite chérie. Sa femme. Celle qui est un peu à côté. Sa femme. Merci, sa go. Sa femme. Donc, Adam a connu Ève. Sa femme. Dès lors qu'elle, après qu'elle soit devenue sa femme. Gloire à Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Donc, si quelqu'un vient te dire qu'on doit goûter la femme avant d'aller la doter, c'est une doctrine de démon. Amen. Alléluia. Amen. Oui, continue un peu. Elle conçut. Et enfanta Caïn. Et elle enfanta qui? Caïn. Et elle enfanta qui? Caïn. Donc c'est après que Adam ait connu sa femme Ève. C'est à la suite de ça que Caïn est né. Voici une doctrine encore qu'on va venir détruire. Nous, on ne peut pas avancer sans détruire les petits. Ça nous touche. Alléluia. Amen. Si on te dit que Caïn est le fils biologique de Satan, quand on dit fils biologique, là, ça veut dire que Satan est venu sortir avec Ève. Et puis à la suite de ça, Caïn est sorti. Si on te dit ça, il faut dire que mon frère, tu as besoin de délivrance. Alléluia. Amen. Parce que les Écritures nous disent que c'est lorsque Caïn a connu sa femme qu'elle a conçu Caïn. Adam a connu sa femme qu'elle a conçu Caïn. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Ça peut aller. Amen. C'est pas notre thème. Hein? C'est pas notre thème. Mais ça nous touche. On doit toucher aussi. Alléluia. C'est pas notre thème. Est-ce qu'on me suit? Amen. Ok, allons. Et enfanta Caïn. Oui. Et elle dit. J'ai formé un homme. Avec l'aide de l'Éternel. Avec l'aide de l'Éternel. Oui. Elle a enfanté encore. Son frère Abel. Abel fut berger. Abel, attends. C'est quelque chose qui m'intéresse. Attends, on dit. Donc, Adam plus Ève ont donné deux frères. Donc, ce sont des frères. Amen. Alléluia. Amen. Donc, on a eu Caïn. Caïn, il y a eu là-bas. Il n'y a pas eu. D'accord. Yeah. Et puis, Abel. Oui. Abel fut berger. Quand on dit berger, là, pour nous qui ne sommes pas allés à l'école, là, berger, c'est celui qui fait les moutons, là. C'est ça. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. C'est lui qui souvient les moutons, là. C'est lui qu'on appelle berger. Donc, Abel fut berger. Oui. Et Caïn fut laboureur. Et en réalité, Caïn, lui, il est devenu laboureur. Ceux qui sont au champ. Alléluia. Amen. C'est ça qu'on appelle un laboureur. Mais en réalité, il y a une écriture qui m'intéresse. Regarde, ces deux natures étaient cachées en un homme. Alléluia. Amen. Regarde, lorsque Dieu va créer Adam, Dieu va dire à Adam que voici le jardin, que tu dois non seulement le cultiver, mais tu dois aussi le garder. Alléluia. Amen. Et lorsque sa postérité aussi va sortir, il y a un qui va cultiver et il y a un qui va garder. Caïn va labourer, donc cultiver, et Abel à son tour lui va venir garder le trou. Oh. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Donc, voici la nature. Donc, c'est la raison pour laquelle on reconnaît un enfant par son père. Forcément, il va prendre un caractère ou encore un trait de son père.
Gloire à Jésus. Amen. Il va prendre une fonction de son père forcément. Si son père était quelqu'un, par exemple, de très doux, ou encore il a plusieurs caractères, mais tu vas voir que l'enfant peut-être va prendre la douceur du père. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Amen. On avance. Bon, on va pas rentrer dans tous les mystères. Au verset 3. Oui. Au bout de quelques temps. Au bout de quelques temps. Caïn fit à l'Éternel. Caïn a fait à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Une offrande. Donc Caïn là, lui, il a donné offrande des fruits de la terre. 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 Ah, oh. Donc lui, il a donné fruits de la terre. Non pas des fruits de mer. D'accord. Moi, c'est mes peut-être. Oui. Et Abel. Oui. De son côté. Écoutez très bien. Écoutez la précision. Abel a fait quoi? De son côté. Abel, lui, de son côté. En fit une des premiers nés. Deuxième né. Premier né. Troisième né. Premier né. Quatrième né. Premier né. Cinquième né. Premier né. En fit une des premiers nés. De son troupeau. Attends, normal, quelqu'un qui est déjà enraciné, même, il est en train de voir le mystère. Il dit, hey, premier-né de toute la création. Alléluia. Amen. Lui, il a fait donc le premier. Donc, il a donné le premier-né de son troupeau. Donc, lui, il a donné un mouton. Alléluia. Et de leur graisse. Alléluia. Donc, premier-né de son troupeau. Ce troupeau est écrit comme ça, là. Gloire à Jésus. Amen. Ça peut aller. Amen. On me suit. Actuellement, on n'est pas arrivé loin. Gloire à Jésus. Amen. Ça peut aller, non? Amen. Mais il ne vous entend pas. Amen. Soyez fortifié. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Donc, voici les deux enfants qui sont sortis d'Adam. Il y a eu Caïn et puis il y a eu Abel. Gloire à Jésus. Amen. Ok. Maintenant, souvent les gens prennent, ils lisent la Bible et ils commencent à donner certaines interprétations. Un jour, j'étais en train d'échanger avec une soeur. Un jour, il y a un jour très proche. J'étais en train d'échanger avec une servante de Dieu. Et la servante de Dieu m'a dit que Abel, là, c'est parce qu'il a donné, il a bien donné. Mais Caïn, lui, c'est le pourri de la vignette. Alléluia. Amen. Nous, on nous a dit ça. Quand on était de l'autre côté, on nous a menti comme ça. Alléluia. Amen. Quand on a lu l'écriture, est-ce que c'est ce que la Bible a dit? Jamais. Vous avez entendu fruit pourri dedans? Amen. Donc, nous, on nous a dit aussi que lorsque Abel, Caïn a donné là, Il a pris ce qu'il a, il n'a même pas fait ça un bon cœur, mais il a pris les petits fruits, il a pris un petit groupe comme ça, et puis il est venu donner. Oh, quand il est venu, il a cherché, il a pris joli, puis il est venu donner. Gloire à Jésus. Amen. Est-ce que c'est ce qui est écrit? Amen. Il dit, on va vous apprendre, à, lorsqu'un homme de Dieu ou un frère va t'enseigner là, tu vas lui dire, après là, on avait dit, il faut venir répondre l'homme de Dieu devant tout le monde. Et vous aussi, les prévus là. Vous exagérez. Après, tu vas le prendre à côté. Homme de Dieu, sois béni. Vraiment, tu as donné un enseignement. C'était vraiment que le Seigneur te bénisse. Mais tu as dit un point. C'est écrit où? Comme les chrétiens libérés. Alléluia. Amen. C'est pas un péché de demander à l'homme de Dieu, tu as dit quelque chose. Je veux voir l'écriture. Ce que tu as dit là, il faut me montrer. Non, il a dit. On me dit, attention, hein. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Vous demandez comme les chrétiens de Béret. Tout ce qu'on vous enseigne, là, vérifiez ça à la lumière des Écritures. L'argent est la racine de tout le monde. Hein? L'argent est la racine de tout le monde. L'argent est la racine. Je demande, est-ce que l'argent est la racine de tout le monde? Vous avez vu ça où? Donnez-moi l'écriture qui dit que l'argent est la racine de tout le monde. Vous apprendre, on doit vous apprendre à chercher. Donnez-moi l'écriture.
qui dit que l'argent est la racine de tous les maux. Je vous écoute. Hein? Oui, c'est mon Dieu, c'est toi qui a dit. Oui. Attends, attends. Tu as dit l'argent est la racine de tous les maux. Je veux l'écriture. Je veux l'écriture qui dit que l'argent est la racine de tous les maux. Non, attends. Ici, c'est l'ordre. Oui. Oui, j'attends. Hein. Je cherche rapidement une culture. Ok, oui. J'ai dit, écoutez-moi très bien avant de répondre. Je veux l'écriture qui dit que l'argent est la racine de tous les maux. Si tu as sorti une écriture qui n'a pas dit que l'argent est la racine de tous les maux. Oui, c'est pour que c'est comme ça. D'accord, vas-y, donne-moi la l'écriture. Ok. 1 Timothée chapitre 6, verset 10. Au lieu, on fait. 1 Timothée chapitre 6, verset 10. Prenez l'écriture. Attends que tout le monde trouve. 1 Timothée 6. Oui. Après, tu prépares Ecclésiaste chapitre 10, verset 19. 1 Timothée 6, verset 10. Tu as vu l'écriture? C'est bon? Ça peut aller? Allons-y, lisons l'écriture. 1 Timothée, oui. Chapitre 10. Chapitre 6, verset 10. Chapitre 6, verset 10. Voici un peu. Car l'amour de l'argent. Car quoi? Car l'amour de l'argent. Car quoi? Car l'amour de l'argent. Car quoi? L'amour de l'argent. L'amour de l'argent est quoi? Est une racine de tous les maux. La Bible n'a pas dit car l'argent est la racine de tous les maux. Mais la Bible nous dit que l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Au contraire. Alléluia. Amen. Mais qu'est-ce que la Bible dit de l'argent? Ecclésiaste, chapitre 10, verset 19. Faites attention, bien-aimés dans le Seigneur. Quand vous lisez, la lisez minutieusement. Ne vous pressez pas. On n'est pas pressé. Ecclésiaste, rapidement, rapidement, le temps passe. Ecclésiaste, combien? 10, 19. Ecclésiaste chapitre 10, oui. Au verset 19. Oui. On fait des repas, oui. Pour se divertir. On fait des repas pour se divertir. Le vin prend la vie joyeuse. Le vin rend la vie joyeuse. Le vin rend la vie joyeuse. Voici un peu. Et l'argent répond à tout. Et l'argent répond à tout. voici ça, c'est ça la parole. Amen. C'est ça l'enseignement. Gloire à Jésus. Amen. Le péché, c'est l'amour de l'argent. Le péché, ce n'est pas l'argent. Gloire à Jésus. Amen. Mais ce que la Bible dit de l'argent, en réalité, l'argent répond à tout. C'est la raison pour laquelle, lorsque tu lis les Écritures, ne te presse pas. Mais prends la peine d'analyser ça minutieusement. Ça peut aller. Amen. C'est une parenthèse. Ça peut aller. Amen. Un jour, on a relevé ici. Un jour dans tes parvis, une heure dans tes parvis, vaut mieux que mille ailleurs. On a vu que ce n'était pas écrit. Non? Ce n'est dans aucune écriture de la Bible. La Bible nous dit qu'un jour dans tes parvis. La Bible nous a pas dit une heure dans tes parvis. Une heure dans tes parvis. Alléluia. Amen. On continue notre enseignement. Donc, est-ce que vous voyez? Voici un peu. Dès lors qu'on vous dit des choses, cherchez à comprendre. Pourquoi Dieu a agréé l'offrande d'Abel et puis Dieu n'a pas agréé l'offrande de Caïn? Non, c'est parce que Caïn a pris les fruits pourris et puis il est venu donner ça à Dieu. Donc Dieu dit qu'il a foutaise. Ah! Dieu n'a jamais dit ça. Gloire à Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Dieu n'a jamais dit ça. Ce n'est mentionné aucunement que Abel. La Bible déclare qu'il a pris, il est laboureur. Donc c'est ce qu'il a.
Il a pris le fruit de la terre. Et puis il est venu donner ça à l'Éternel. Alléluia. C'est du labeur. Merci. C'est du labeur. Pourquoi c'est pour rien, il était fâché. Quelqu'un qui est venu, qui a allé travailler, il a pris le fruit de la terre. Ils ont donné ça à Dieu. Fait but. Il fait but, tout ça. Oui. Fait gnom, tout. Et puis ça va donner. Et puis Dieu vient, Dieu dit non, il n'aime pas ton offrande. Il était fâché. Il n'a pas compris. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Mais Caïn est venu, il a pris un animal. Abel est venu, il a pris un animal, premier né, puis il a donné à Dieu. Dieu est content. Et puis, de l'autre côté, on dit non, en réalité, c'est parce que Caïn même, là, non, c'est pas ce que la Bible dit. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Donc, nous allons chercher à comprendre. Lorsque Dieu disait qu'il a agréé l'offrande d'Abel et qu'il n'a pas agréé l'offrande de Caïn, tout ça, là, ça faisait allusion à quoi? On va prendre une écriture. Tu vas rapidement me prendre le livre d'Ésaïe, 8, verset 18. Ésaïe chapitre 8, verset 18, et le livre de Pierre. Ésaïe 8, verset 18. Je veux deux lecteurs. Prends un Pierre rapidement. Un Pierre chapitre 1 à partir du verset 10 jusqu'au verset 11. Rapidement. Ésaïe 8, verset 18. Un Pierre à partir du chapitre. Un Pierre 1. À partir du verset 10 jusqu'au verset 11. Ésaïe 8. Ésaïe chapitre 8. Oui. Au verset 18. Venez noto. Vous avez vu les questions que vous avez posées aujourd'hui là. Je vais vous reposer les questions vendredi. Ah, oh. Allons-y. Ésaïe chapitre 8 au verset 18. Oui. Voici. Moi et les enfants que l'Éternel m'a donnés. Ésaïe est prophète. Et Ésaïe est en train de parler. Il dit voici. Moi et les enfants que l'Éternel m'a donnés. Nous sommes des signes. Nous sommes quoi? Des signes. Nous sommes quoi? Des signes. Nous sommes quoi? Des signes. Donc, selon le livre d'Ésaïe, chapitre 8, verset 18, nous comprenons que tous les prophètes sont des signes. Est-ce que vous avez compris ça? Amen. Donc, Ésaïe, chapitre 8, à partir du verset 18, en réalité, les prophètes sont des signes. Le livre d'Ésaïe, le livre de 1 Pierre va encore mieux nous expliquer ça. 1 Pierre. 1 Pierre 1. Vas-y un peu. 1 à partir du verset 10. Oui. Vas-y. Les prophètes. Doucement, hein. On va doucement. Tu vois comment il fait là. Oui, alors, les prophètes. Qui ont prophétisé. Avec autorité, frère. Les prophètes. Les prophètes. Qui ont prophétisé. Qui ont prophétisé. Touchant. Oui. La grâce qui vous était réservée. Qui ont prophétisé touchant la grâce qui toi t'était réservée. En fait, qui moi m'était réservé. Donc tous les prophètes qui ont prophétisé, écoutez très bien. Ésaïe était un prophète, il a prophétisé. Moïse était un prophète, il a prophétisé. Daniel était un prophète, il a prophétisé. Qui ça? Michée était un prophète, il a prophétisé. Jésus était prophète, il a prophétisé. Bon, Jésus non, on ne le touche pas, on le met à côté. Mais lui, il est le prophète par excellence. Alléluia. Malachie était un prophète, il a prophétisé. Donc tous les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce, oui. Touchant la grâce, vas-y, qui vous était réservé. Qui vous était réservé. En fait de ce salut. En fait de ce salut. L'objet de leur recherche. L'objet de leur recherche. Et de leur investigation. Et de leur investigation. Voulons sonder l'époque. Voulons sonder l'époque. Et les circonstances. Vas-y un peu. Marquées par l'Esprit de Christ. Oui. Qui était en eux. Écoutez, et qui attends, doucement. Alléluia. Toi qu'ils suivent, la Bible déclare que l'esprit qui se trouvait dans les prophètes, qu'est-ce qu'il faisait? Qui était en eux. Oui. Et qui attestait. Et qui attestait. D'avance. Et qui attestait d'avance. Les souffrances de Christ. Donc, l'esprit de Dieu qui se trouvait dans les prophètes attestait d'avance les souffrances de Christ, oui, et la gloire dont elle serait suivie. Et la gloire dont elle serait suivie.
Donc, lorsque tu vois un prophète en train de souffrir, en réalité, il est un signe. Il est en train de montrer comment Christ aussi va souffrir. Est-ce qu'on se suit? Amen. Alléluia. Amen. Lorsque tu vois qu'un prophète est en joie, tu vas voir qu'il est un signe. Il est en train de montrer comment Christ sera en joie. Gloire à Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Je prends le cas du prophète Osée. Le Seigneur va dire à Osée, prends une prostituée. D'abord, il va dire, marie une femme, Osée avec sa femme. Dieu va dire à Osée, laisse ta femme. Prends une prostituée, va avec elle. Et à la suite de ça, est-ce que Osée était mariée? Non, Osée plutôt, l'Éternel plutôt va dire à Osée, voilà, il va dire à Osée, prends une prostituée, va avec elle. Et à la suite de ça, tu lui feras des enfants. Regardez, l'image de Osée qui s'en va prendre une prostituée, en réalité, c'est l'image de Christ qui vient prendre nous qui étions prostitués. Amen. Alléluia. Nous qui nous vautrions dans le péché. Nous qui marchions selon la convoitise de ce monde. Alléluia. Et il va nous prendre. Il va faire de nous qui étions prostitués. Il va faire de nous aujourd'hui son église, son épouse. C'est ce que Osée a fait. Alléluia. C'est l'image qu'Osée est en train de donner. Donc voici l'accomplissement de l'écriture. Les prophètes touchant la grâce, en réalité, ils étaient en train d'attester les souffrances de Christ. Et aussi, ils étaient en train d'attester la gloire de Christ. Donc, quand tu vois un prophète en train de poser un acte, il ne faut pas croire qu'il est en train de faire ça au hasard. Hein. Non, tout était bien calculé. Tu vois, Élie était avec Élisée, puis paf, il est enlevé. Hein? Tu vois, c'est pour rien. Tu vois, ça se passe comme ça. Tu vois, Élisée prend son manteau, il frappe, ça se divise. Ne faisait pas ça comme ça. Hein. Tu vois, Moïse prend son bâton, il jette à terre. Il ne faisait pas ça comme ça. Hein. Il prend par la queue, il ne prend pas par la tête. Il ne faisait pas ça comme ça. Hein. Pourquoi non, il m'a pris par le milieu. Alléluia. Tout était fait dans le but d'expliquer quelque chose à l'avenir. Est-ce qu'on se suit? Amen. Est-ce qu'on se suit? Amen. Donc, l'écriture, c'était 1 Pierre. 1 Pierre 1, verset 10 à 11. Donc, à travers cela, nous comprenons que les prophètes sont des signes véritablement. Mais cette fois, des signes qui témoignent la vie du Seigneur Jésus. C'est-à-dire qu'à travers leur vie, ils étaient en train de dire que Jésus allait venir comme ça. Alléluia. Donc, qui attestent la vie de Jésus. Ça peut aller? Amen. Ça peut aller? Ok. On revient dans notre Genèse. Donc, avant ça, même. Ok, prenons Genèse 4 là. Genèse 4, à partir du verset 4. Une personne me prépare le livre de Jean 3, 12. Oui. Genèse 4. Non, Jean 3, 12 la laisse d'abord même. D'accord. Genèse 4, il faut plutôt prendre le livre de Matthieu. Matthieu 23, 34 à 38. Genèse 4. Genèse chapitre 4. Oui. Verset 4. Vas-y un peu. Et Abel. De son côté. Non, remonte un peu jusqu'à Caïn d'abord. Caïn a fait quelque chose. Verset 3. Oui. Au bout de quelque temps. Caïn a fait à l'Éternel. Une offrande des fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau. Alléluia. Donc, en réalité, quand tu es en train de voir Caïn, dans la révélation, Caïn représente quelque chose. Alléluia. Amen. Quand tu es en train de voir Abel, dans la révélation, Abel aussi représente quelque chose. C'est pourquoi il y a certaines paroles. Lorsque Dieu est en train de parler à Caïn, en réalité, il ne s'adresse pas à Caïn. Mais il est en train de prophétiser. Lorsque Caïn aussi est en train de poser un acte, sans se rendre compte, Caïn est en train de poser un acte prophétique.
Lorsque Abel pose un acte, Abel aussi est en train de poser un acte qui est prophétique. Gloire à Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Matthieu 23. Matthieu 23, Baptiste, verset 34. Oui. Jusqu'au verset 38. Écoutez très bien. C'est pourquoi. Voici. Je vous envoie des prophètes. Écoutez. Des sages et des scribes. Il dit voici. Je vous envoie des prophètes. Oui. Des sages et des scribes. Oui. Vous tuerez. Et crucifierez les uns. Et vous allez crucifier les uns. Vous les battrez de verre. Dieu dit qu'il vous envoie des prophètes. Lorsque vous allez prendre dans l'ancienne alliance, lorsque vous allez prendre la prophétie que l'Éternel avait donnée, dans la prophétie, il a dit, voici, je vous envoie des prophètes. C'est ici même, il a été dit, voici, je vous envoie des prophètes, des scribes, etc., etc. Sinon, la prophétie disait que voici, je vous envoie des prophètes. Continuez un peu. Vous battrez de verges les autres, oui, dans vos synagogues et vous les persécuterez de ville en ville. Oui. Afin que retombe sur vous tout le sang innocent. Écoutez très bien. Sur la terre. Écoutez très bien, doucement. Écoutez très bien. Il dit, voici, je vous envoie des prophètes. Tous les prophètes que je vais vous envoyer là, vous allez les tuer. Alléluia. Est-ce qu'on se suit? Il dit, il est en train de parler aux pharisiens, donc à Israël. C'est à Israël qu'il s'adresse en fait. Le Seigneur Jésus est fâché parce que vraiment, ils sont en train de faire des bêtises. Le Seigneur dit, voici. Déjà même ça, ça parle même de la divinité de Jésus parce que c'est Dieu dans la prophétie qui a dit que je vous envoie des prophètes. Jésus vient et dit que je vous envoie des prophètes. Alléluia. Donc si Muhammad est des prophètes, alors c'est Jésus-Christ qui l'a envoyé. Alléluia. Amen. Si Mahomet est prophète, alors c'est Jésus qui l'a envoyé. Alors Jésus est qui pour envoyer Mahomet? Question. Ah, j'aime ça. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Donc, il dit, voici, je vous envoie des prophètes. Tous les prophètes que je vais vous envoyer, là, vous allez les tuer. Maintenant, regardez, il va continuer. Afin que retombe sur vous. Tout le sang innocent. Tout le sang de ces prophètes-là depuis. Répandu sur la terre. Depuis le sang de qui? D'Abel. Depuis le sang de qui? Abel. Donc on comprend qu'Abel était un prophète. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que vous avez suivi? Oui. Est-ce que vous avez suivi ça un peu? Amen. Il dit, voici, je vous envoie des prophètes. Ces prophètes-là, vous allez les tuer. Afin que retombe sur vous le sang de ces prophètes en question-là. Depuis Abel. Donc nous comprenons que la vie d'Abel était en train d'attester aussi la vie du Seigneur Jésus. Comme nous avons vu tout à l'heure dans cette écriture, dans l'écriture précédente. Est-ce que ça va? Amen. Est-ce qu'on me suit? Amen. Gloire à Jésus. Amen. Donc nous comprenons que Israël a tué Abel. Parce qu'il a dit, voici, je vous envoie des prophètes. Et vous, vous les tuez depuis Abel. Est-ce qu'on se comprend? Mm-hmm. Il est en train de dire qu'Israël a tué tous les prophètes depuis Abel. Or, qui a tué Abel? Mm-hmm. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on se suit? Donc, ça, peut-être les gens n'ont pas vu ça. C'est ça, vous n'avez pas vu. Le Seigneur était en train de dire comme ça qu'en réalité, c'est Israël qui a tué Abel. Il est en train de dire que lorsque Jésus-Christ était en train de regarder Caïn, lui ne voyait pas Caïn. Il voyait Israël. Amen. Donc on comprend que Caïn est égal à Israël. Amen. Est-ce qu'on me suit? Amen. Donc Caïn égale Israël. Gloire à Jésus. Amen. Donc déjà même Dieu avait déjà vu ça depuis la prophétie. Quand Caïn était en train de tuer comme ça, Dieu est là, il voyait. Il dit, hey, Dieu voyait tout. C'est comme Abraham. On dit, oh, Abraham a pris deux femmes. Dieu est là, il regarde. Il regarde les deux femmes d'Abraham. Il dit, vous ne voyez pas que moi, je ne vois pas femme, moi, je vois montagne. C'est pas ce que dit le livre de Galates chapitre 4. La Bible déclare qu'en réalité, ces deux femmes-là sont deux montagnes. Dieu regarde femme et puis lui, il ne voit pas femme, il voit montagne. Alléluia. Amen. Ça peut aller? Amen. On va prendre Jean 3. On va confirmer que Israël, c'est Caïn.
Jean 3. Rapidement. Jean chapitre 3. Jean 3, verset. Où est l'écriture? Jean 3, 12. Jean 3, 12. Jean chapitre 3, au verset 12. Vas-y. Si vous ne croyez pas, oui, quand je vous ai parlé des choses terrestres, mm-hmm, comment croirez-vous, mm-hmm, quand je vous parlerai des choses célestes? Mm-hmm. Personne n'est monté au ciel. C'est pas l'écriture. Cherche-moi l'écriture qui dit vous avez bouffé le diable. Jean 3, 12, hein, tu es sûr? Vous avez bouffé le diable. Jean 8, 44. D'accord. Chapitre 8, verset 44. Avant ça, je cherche une écriture. D'accord. Ah, j'ai oublié de noter l'écriture. Excusez, hein. Bon, on cherche rapidement les coutures. Voilà. Ça va, c'est 1 Jean 3, 12. 1 Jean. 1 Jean 3, 12. Voilà. Lisez ça d'abord. 1 Jean 3, 12. Et puis ensuite, le deuxième chapitre, le deuxième verset. Jean 8, là. 1 Jean 3, 12. Vas-y. Et ne pas ressembler à Caïn. Et ne pas ressembler à Caïn. Qui était du malin. Qui était du malin. Qui était du malin. Alléluia. Amen. Il dit ne pas ressembler à Caïn qui était du malin. En réalité, nous disons que Caïn est le fils de Satan, mais pas le fils biologique. En réalité, c'est son fils spirituel. Amen. Alléluia. Parce que toute personne qui adhère à l'enseignement de Lucifer, cette personne en réalité est son fils. Alléluia. Nous sommes les fils du Seigneur Jésus. Amen. Alléluia. Parce que nous, là, nous adhérons à l'enseignement du Seigneur Jésus. C'est ça. Alléluia. Amen. Deuxième écriture. Jean chapitre 8. Non, vous avez vu, Caïn est le fils du malin. Qu'est-ce qu'il va dire à la suite de ça? Oui, Jean 8. Jean chapitre 8, verset, oui, 44. Oui. Vous avez pour père. Il va regarder les pharisiens. Et puis il va dire encore que vous avez pour père. Le diable. Vous avez pour père. Le diable. Vous avez pour père. Le diable. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Donc il est en train de caractériser Israël qui a tué Abel. Il est en train de caractériser le fils du diable. Oh, il avait caractérisé Caïn aussi le fils du diable. Donc, nous comprenons réellement que Caïn est égal à Israël. Oui. Est-ce que ça peut aller? Amen. Gloire à Jésus. Amen. Ok, l'identité maintenant d'Abel. L'identité d'Abel, j'étais obligé de remonter un peu dans l'histoire. En réalité, Abel vient du mot hébreu. Alléluia. Amen. Ça vient du mot hébreu Ebel. Qui est lui-même dérivé du mot Abel. Ebel signifie vapeur en hébreu. Qui a compris Rima la vapeur? Alléluia. Ebel signifie vapeur en hébreu. Ou encore le souffle.
classe avec un F ou un DF. Alors, on a fait l'école, hein? Mon cher. Maintenant, Abel. Et maintenant, Abel signifie fils. Gloire à Jésus. Amen. Maintenant, nous voulons connaître. On a déjà connu l'identité de Caïn. Qu'est-ce que Caïn représente dans la révélation? Maintenant, on cherche à comprendre qu'est-ce que Abel aussi représente dans la révélation. Gloire à Jésus. Amen. Ça peut aller? Amen. Donc, on comprend que Abel. Donc, c'est pareil en fait. En hébreu, on dit soit Abel, soit on dit Abel. C'est pareil. Maintenant, Abel en réalité signifie vapeur ou souffle. Et Abel signifie fils. Ça, ça j'aime ça. J'aime ça dans les écritures. Les femmes israélites là, quand elles veulent donner nom à leur enfant, elles cherchent en fonction de la signification qu'elles donnent. Mmh. Alléluia. On dit, toi, tu vas t'appeler temps parce que tu as fait temps. Toi, tu vas t'appeler temps parce qu'en réalité, tu es temps. Mais nous là, on est Michou. Gloire à Jésus. Qui s'appelle Michou ici? Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Ok. Maintenant, nous allons chercher à comprendre. Nous allons prendre une écriture. Job, chapitre 32, verset 8. Et Job 33, verset 4. Que représente le souffle ou encore la vapeur? Job 32, 8. Job 33, 4. 33, 4. 32. Job 33, 4 et 32, 8. 32, 8. Job chapitre 32, oui. Au verset 8. Amen. Mais en réalité, oui. Dans l'homme, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Écoutez très bien. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Maintenant, l'esprit là, c'est quoi? Le souffle du Tout-Puissant. L'esprit, c'est le souffle du Tout-Puissant. Donc, nous comprenons que le souffle est égal à l'air. Esprit. Est-ce qu'on me comprend? Amen. Est-ce que ça peut aller? Le souffle, c'est l'air. Oui. Ok. Il n'y a pas assez de place. Souffle. Égal esprit. Continue. Oui, 33. Job 33. 33, combien? 4. 4. Oui. L'esprit de Dieu qui m'a créé. L'esprit de Dieu qui m'a créé. Et le souffle du Tout-Puissant m'anime. Et le souffle du Tout-Puissant m'a. Donc c'est une confirmation. Nous comprenons qu'en réalité, l'esprit de Dieu. Donc là, on met maintenant une précision. Alléluia. Donc l'esprit de Dieu est égal au souffle. Alléluia. Amen. Depuis là, vous avez vu ce qu'il y a pris le dictionnaire. On n'a pas pris le dictionnaire Larousse, non. On n'a pas pris le dictionnaire Robert. On a pris le dictionnaire biblique. Gloire à Jésus. Amen. Ça peut aller. Maintenant, ici, fils, c'est aussi simple que ça. Lorsque nous prenons les Écritures, la Bible déclare que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Alors, en réalité, Abel a deux significations. Lorsque vous allez voir dans les Écritures Abel, Abel peut prendre la portion d'Esprit de Dieu ou encore de Père. Est-ce que ça va? Amen. Puisque c'est l'Esprit de Dieu qui est Père. Donc, ne soyez pas troublés. Lorsqu'on va dire que, ah, quand tu vois Abel ici, là, c'est le Père. Et puis après, on va dire non. Quand tu vois Abel ici, là, c'est le Fils. Gloire à Jésus. Amen. Parce que tantôt, Abel signifie non seulement Père ou encore Esprit de Dieu. Lorsqu'il est Esprit, il est Père. Ou encore, Abel aussi signifie Fils. Donc, nous comprenons que tantôt, Abel a une position de Père. Tantôt, Abel a une position de fils. Est-ce que je comprends? Amen. Gloire à Jésus. Mais il vient d'avoir même encore un rima. Alléluia. Amen. Donc, Abel, tantôt signifie père, tantôt signifie fils. Et lorsque nous parlons de fils, nous parlons ici en tant que Jésus-Christ homme. Gloire à Jésus. Amen. Ça peut aller? Ça peut aller? Amen. Ok. Toujours encore dans la définition. Psaume 23, verset 1.
Et Jean 10, verset 11. Psaume 23, 1. Et Jean 10, 11. Jean 10, 11. Psaume 23, 1 et Jean 10, 11. Si tu as trouvé, tu lis. Psaume 23, 1. Psaume 23, 1. Oui. On dit de David. Avant ça, on dit qui? Chose. Jean 10, 11. Non, avant même Jean. Jean 4, là. Jean 4. Hein, Genèse 4, là. Genèse 4. Oui. On va vérifier que Abel est père et fils. Genèse 4. Abel fut. Caïn fut quoi? Abel fut quoi? Genèse chapitre 4, verset 2. Oui. Elle enfanta encore son frère Abel. Son frère Abel. Abel fut berger. Abel fut quoi? Berger. Abel fut quoi? Berger. Abel fut quoi? Berger. Abel fut laboureur. Berger. Abel fut boutiquier. Berger. Abel fut étudiant. Berger. Abel fut médecin. Berger. Abel fut quoi encore? Couturier. Berger. Abel fut chauffeur. Berger. Et Caïn fut laboureur. Alléluia. Psaume. C'est Psaume, non? Vas-y un peu. Cantique de David. Cantique de David. L'Éternel est mon berger. L'Éternel est mon quoi? Berger. L'Éternel est mon quoi? Berger. L'Éternel est mon quoi? Berger. Donc nous comprenons que Abel a été berger. La Bible déclare aussi que l'Éternel est mon berger. Donc Abel est égal à l'Éternel. Oh, l'Éternel c'est le berger. C'est le fils. Le père. Il s'est trop. Alléluia. Amen. Ça peut aller. Amen. Lorsque Dieu est dans sa position éternelle, c'est là qu'il est père. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Parce que là, il est dans l'éternité. Il est le père de tous. Donc, c'est là qu'il est éternel. Gloire à Jésus. Amen. Amen. Jean 10, 11. Jean 10, 11. Jean chapitre 10, au verset 11. Oui. Je suis le bon berger. C'est Jésus qui parle. Jésus dit qu'il est quoi? Le bon berger. Jésus dit qu'il est quoi? Le bon berger. Jésus dit qu'il est quoi? Le bon berger. Donc nous comprenons que l'Éternel est berger. Le Fils aussi, Jésus, là, il est berger. Oh, Abel aussi est berger. Donc nous comprenons que Abel est égal au père. Et Abel aussi est égal au fils. Est-ce que ça peut aller? Prophétie. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Gloire à Jésus. Amen. On va terminer par ça et la prochaine fois. Vendredi. Alléluia. Il y a des gens qui sont loin ici. Vendredi. La prochaine fois. Ça peut aller? Amen. On va continuer la prochaine fois. On va terminer par ça. Gloire à Jésus. Alors, on termine avec Genèse 4, 4. Genèse chapitre 4. Au verset 4. Oui. Et Abel. Et Abel. De son côté. De son côté. En fut une des premiers nés. Non, remonte. Caïn d'abord. Caïn a fait quoi? Au verset 3. Au verset 3. Oui. Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Caïn a offert à l'Éternel une offrande des fruits qui venaient spécialement de la terre. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Caïn, lorsque lui, il a fait son offrande venait de la terre. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on voit ça? Amen. Oui. Oui. Et Abel. Mais quant à Abel, De son côté, en fut une des premiers nés de son troupeau. Dieu demande une offrande. Il y a un qui aura la révélation et il y a un qui n'aura pas la révélation. Amen. Alléluia. Amen. Ce jour-là, Dieu a parlé en langue. Mais malheureusement, il n'y a qu'un seul qui a réussi à avoir l'interprétation. Amen. Gloire à Jésus. Amen. On a déjà donné enseignement sur le parler en langue. Hein. Donc normalement, il n'y a pas quelqu'un qui doit être troublé ici. Après, il va vous enseigner ça. Il a très bien compris. Alléluia. Homme de Dieu, sois béni.
Gloire à Jésus. Amen. Dieu a parlé en parabole lorsqu'il a dit de donner l'offrande. Mais ils n'ont pas. Il y a un qui a compris et il y a un qui n'a pas compris. Gloire à Jésus. Amen. Caïn va venir offrir une offrande des fruits de la terre. Mais Abel, avant d'offrir son offrande, Abel va aller chercher dans les Écritures. Abel avait l'enseignement. Qu'est-ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden? Je vais juste donner ça comme ça et puis on va partir. Alléluia. Abel va dire, attends, lorsque nos parents ont péché, ils sont allés prendre les feuilles d'un arbre de la terre pour se protéger, pour se couvrir. Quand Dieu a regardé ça, Dieu a dit que non, ce n'était pas parfait. Dieu allait tuer un animal. Dieu a pris les peaux et il les a couverts. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus? Alléluia. Nous allons donc nous arrêter là. Gloire à Jésus. Nous allons nous arrêter là. Il dit déjà. Il y a des personnes qui sont trop loin. Mm-hmm. Alléluia. Amen. Nous allons nous arrêter à là. Déjà, allez-y faire des recherches. On a dit beaucoup de choses. Déjà, vous allez voir que si vous-même vous commencez à faire des recherches, méditer, lorsqu'on va commencer à rentrer dans les profondeurs, vous avez, on a même pas encore ça, là, peut-être c'est 3 ou 4 jours d'enseignement. Parce qu'on n'a même pas encore touché 7 fois. On n'a même pas encore touché 7 fois. On n'a même pas encore touché 77 fois. Et puis il y a des petits à côté aussi qu'on est obligé de toucher à chaque fois. Alléluia. C'est ça l'enseignement. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Amen. C'est moi, si on peut quitter ici à 22h. Mais, alléluia, comme le Seigneur Amen. Jésus-Christ est un Dieu d'ordre. Amen. Est-ce qu'on peut se lever pour acclamer le Seigneur Jésus? Jésus. Alléluia. Amen. Voici, donc nous sommes à la fin de notre moment. On va rester debout et on va donner les informations. On va prier, on va partir. Demain, mardi, il y a l'évangélisation. L'évangélisation, là, c'est où ça? À la 2. À la 2. D'accord, donc l'évangélisation à la pharmacie, juste devant la pharmacie de la 2. Venez, on va bombarder. On va mettre feu, fighting. Gloire à Jésus, c'est 100 à l'heure. Donc tout le monde doit être présent à partir de 17h. Gloire à Jésus. On n'a pas dit que tout le monde doit quitter à la maison à partir de 17h. On dit que tout le monde doit être présent à partir de 17h. Gloire à Jésus. Amen. En dehors de ça, samedi aussi il y a évangélisation. C'est à la 2 aussi. Non. Magie Coco. Ah. D'accord. Donc mardi il y a évangélisation au marché de Coco Vico. On doit aller là-bas. Là. L'esprit qui règne là-bas, c'est Jésus. Donc on doit aller la déloger. Gloire à Jésus. Il y a trop d'esprit de séduction là-bas. Si on peut venir en jeûne. Ça a l'air même très intéressant. Gloire à Jésus. Amen. En dehors de ça, il y a quelle information encore? Chaudière, j'ai dit. Bon, je crois que pratiquement, tout le monde sait passer à la chaudière. Tout le monde sait qu'il y a la chaudière. Tout le monde sait qui doit passer à la chaudière. Alléluia. C'est tout, non? Les hommes de Dieu qui sont en mission. Oui, les hommes de Dieu aussi qui sont en mission. Soutenons-les en prière. Soutenons-les aussi financièrement, matériellement. Alléluia. Ils ont parlé de moustiquaires, de médicaments. Les médicaments, ça, on va consulter un médecin. Alléluia. Donc, ils ont besoin des médicaments. Tout. Alléluia. Donc, si vous avez paracétamol, vous avez efferalgan, vous avez Ibuprofen, mais pas antibiotiques. Antibiotiques en principe, pas comme ça. Si vous avez CAC-1000, Esparadrap, compresse, voilà, alcool, choses compresses, tout ça là, on a besoin de ça. Alléluia. Piqûre, qui va aller piquer qui là-bas? Alléluia. Donc voici, nous sommes donc à la fin de notre moment. Tu as plus d'informations? Non. D'accord. Donc, nous allons tous mettre les mains en signe de recevoir. Et papa Jean va nous recommander encore le même Seigneur. Amen. Nous allons prier. Seigneur notre Dieu Tout-Puissant, nous te disons merci.
Père éternel, voici ce que tu viens de faire encore. Ouvrir l'entendement de tes enfants ce soir encore, nous te disons merci. Bénis ton serviteur qui a proclamé, papa, ces bénédictions sur la vie de tes enfants, tes serviteurs et tes servantes. Papa, nous te disons merci. Demain, papa, les enfants vont l'aider encore avec cette bénédiction. Papa, nous te disons merci pour la vie de tes enfants. Papa, accompagne les uns les autres dans leur demeure. Papa, protège chacun, chacune. Que le sang de Jésus soit notre repère. Papa, nous te disons merci pour la vie de tes serviteurs. L'effort qu'ils font et ceux qui font des efforts pour venir, papa, bénis-les au retour au nom de Jésus. Papa, spirituellement, physiquement, sur tout le plan, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Papa, tout ce qui est problème, les difficultés tombent au nom de Jésus. Papa, nous te disons merci. Accompagne chacun au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth que nous avons prié. Amen. 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 Shalom, 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 shalom.